Morgen, Aleïden, et ce sera aujourd'hui le Mishmat Dov, Ben Yehudite, Eviatar, Amram, Ben Chedva. Si vous souhaitez aussi d'étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Shabbat, Berigével, Mishnah, Delet, Maase, Shasuan, Sheteveria, Veviu, Silon, Shel Tzonen, Letoch, Ama, Shel Chamin, Amrou, Lahen, Chachamim, Im, Beshabbat, Kechamin, Shehu, Chamo, Beshabbat, Asurin, Birchitza, ou Bishtia, Beyom Tov, Kechamin, Shehu, Chamo, Beyom Tov, Asurin Berechitza ou Mutarin Mishtia. Et deuxième sujet de la Mishnah, c'est Mouliara Garouf, Shotin Emenu Beshabbat, Antichi Afalpiche Groufa, En Shotin Mimena. Deux sujets dans notre Mishnah qui tournent autour de l'interdit de Hatmana Bedavar Amosif Hevel. Enfouir une marmite que l'on veut manger, l'enfouir, la recouvrir de tous les côtés, dans quelque chose qui lui augmente sa chaleur. On aura l'occasion d'expliquer. Mais je commence d'abord par traduire d'abord la Mishnah, la première partie de la Mishnah, histoire de comprendre l'histoire qu'il y a eu, la halachot qui a été, la halachot qu'on a donné, ensuite on expliquera la motivation. Ma'ase chez Asuan Sheteveria, il y a eu une histoire, une fois, il était une fois que chez Asuan Sheteveria, que les habitants de Teveria, de Tibériade, ont fait que ils ont apporté un silon, c'est un tuyau, de tzonen, d'eau froide, les toch ama shel chamin. Ils l'ont fait passer dans une sorte de ruisseau, une ama, c'est un petit cours d'eau, de chamin, d'eau chaude. Vous savez qu'autour de Tveria, il y a plusieurs stations thermales où il y a des sources d'eau naturelle chaude. D'accord? Je ne connais pas, je suis jamais parti. Je n'ai pas encore l'âge, bon, Hachem. Mais il y a en tout cas des sources d'eau chaude. Et les habitants de Deveria, alors ils avaient fait un super, super système pour Shabbat pour avoir de l'eau chaude. Ils avaient pris un tuyau assez long, je ne sais pas, et ils l'ont fait passer à l'intérieur d'un conduit d'eau chaude. D'accord, il y avait à l'intérieur de l'eau chaude, concrètement, voilà. De manière à ce que, après, lorsque l'eau froide va circuler dedans, eh bien, elle va se réchauffer. D'accord? Et donc, ils ont voulu utiliser cette eau pendant Shabbat. Et Chachamim leur ont tranché comme ça. Amroulaïn Chachamim. Chachamim leur ont dit, écoutez-moi, Imbe Shabbat, si vous avez utilisé ça pendant Shabbat, sachez que Kechamin Shehu Chamu Be Shabbat, le statut de l'eau qu'il y a dedans, qui va en sortir, est comme s'il s'agissait de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, de manière interdite. Et donc, Asurin Birchitza ou Bishtia, et ce sera une eau interdite à se laver et même à boire. D'accord? Si vous avez chauffé l'eau de cette manière, avec le tuyau qui passe dans la source d'eau chaude, eh bien vous ne pourrez ni vous laver avec, et ni la boire, parce qu'elle est considérée comme de l'eau qui a été cuite pendant Shabbat. Et si c'était Beyom Tov, si maintenant vous voulez faire ça pendant Yom Tov, vous l'avez fait, eh bien, Kechamin Shehu Chamu Beyom Tov, ça prend le statut de l'eau qui a été cuite pendant Yom Tov, que dans ce cas-là, Asurin Birchitza, on n'aura pas le droit de se laver avec cette eau-là, mais par contre, Umutarin Mishtia, elle sera permise pour... il sera permis de la boire. Donc en fait, on reprend l'action. Concrètement, c'est simple, le tuyau qui passe dans les Chametveria, les sources d'eau chaude de Tveria, ça réchauffe l'eau, et puis maintenant on a envie de boire, ou même de se laver, on va expliquer exactement, et Chachamim on dit, bah écoute, c'est interdit de la boire pendant Shabbat, pendant Yom Tov c'est permis, parce que pendant Yom Tov on a le droit de se faire cuire de l'eau chaude, donc tu auras le droit de la boire, mais par contre, se laver, ce sera défendu. D'abord, deux précisions importantes par rapport à se laver à l'eau chaude pendant Shabbat. Pendant Shabbat, on a pas le droit de se laver à l'eau chaude. Je donne l'alakha sèche, d'accord? Après, tel que ça rapporté dans l'alakha. Après, il y a quelques petites permissions, mais c'est compliqué. Prendre une douche Shabbat chez Shabbat, à l'eau chaude, c'est même si on utilise le douche Shemesh, c'est très compliqué. C'est pas évident, c'est interdit, quoi, complètement. D'accord? Il y a à l'eau froide, peut-être, mais en tout cas, pas à l'eau chaude. Et donc, si l'eau, cuite, chauffée pendant Shabbat, mais même si l'eau, elle vient d'avant Shabbat, on a le droit de prendre une douche entière pendant Shabbat, on a le droit juste de se laver la tête et les mains et les pieds.
Panav, Yadav, Veraglav. Comme ça, c'est écrit. Et maintenant, la Mishnah m'enseigne, bien, tu sais, sache que l'eau qui est chauffée pendant Shabbat avec ce tuyau-là qui entre dans le verrière, dans la source d'eau chaude et qui en ressort, eh bien, sache qu'elle a le statut, pas de l'eau qui date d'avant Shabbat, mais elle a le statut de l'eau qui a été chauffée, cuite pendant Shabbat. Dans ce cas-là, tu n'as même pas le droit de te laver le visage, les mains ou les pieds, et tu n'as pas le droit non plus de la boire, parce que c'est une eau qui a été chauffée pendant Shabbat, c'est assour. Premièrement. Deuxièmement, maintenant, pendant Yom Tov, alors là, c'est plus compliqué. Ça, c'est très vaste, je ne peux pas ranger trop dessus. Succinctement, selon la loi stricte telle qu'elle est rapportée dans le Shulchan Aruch, Siman Tavku Fiud Aleph, on n'a pas le droit à Shabbat, à Yom Tov, de prendre une douche à l'eau chaude, avec de l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov. C'est assez compliqué à expliquer, parce que, en fait, on a le droit de se laver les mains et les pieds avec de l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de prendre une douche entière. Il y a les décisionnaires qu'on va pouvoir maintenant expliquer que probablement à notre époque c'est un peu différent. C'est-à-dire à l'époque, c'est une grande règle pendant Yom Tov, ce qui a un profit commun à l'ensemble du monde, quoi, eh bien on a le droit de le faire pendant Yom Tov. Ce qui n'est pas commun à l'ensemble du monde, c'est interdit. Prenez le cas de la cigarette, par exemple. Si c'est quelque chose que le commun des hommes aime fumer, donc c'est permis de fumer Yom Tov. D'accord, Asher Yachel Lachem L'Echol Nefesh, je crois que ça peut s'éduire dans le Passouk comme ça. Ça veut dire quelque chose qui est chavé l'Echol Nefesh. C'est vaste, on ne va pas ouvrir le sujet. Concrètement, se laver tous les jours, à l'époque, les gens ne se lavaient pas tous les jours, c'était quelque chose qui était un profit que pour quelques personnes, donc c'est interdit. À notre époque, c'est devenu différent parce que tout le monde se lave tous les jours, et les décisionnaires essayent d'expliquer ce qu'à notre époque c'est réellement différent. Là n'est pas notre sujet d'étudier ça concrètement. Mais pour comprendre notre Mishnah, juste pour comprendre pourquoi il y avait un interdit de se laver avec l'eau chaude, de se laver entièrement. On a le droit de... Donc maintenant, je reprends avec l'histoire du tuyau. Le tuyau, pendant Shabbat, tu n'as même pas le droit de te laver ni les pieds, ni les mains, ni le visage. Pendant Yom Tov, avec ce tuyau-là qui est passé dans la source d'eau chaude, tu auras le droit de te laver le visage, les mains, les pieds, mais tu n'auras pas le droit de te laver tout le corps, d'accord? Il faut faire attention, quand on dit le mot Asur Berchitza et Asur Berchitza entre Shabbat et Yom Tov, ça n'a plus la même signification. Asur bechitza pendant Shabbat, ça veut dire même pas tes mains et tes pieds. Asur bechitza pendant Yom Tov, ça veut dire pas tout ton corps. Mais par contre, tes mains et les pieds, ça devient permis. Voilà pour concrètement l'histoire qui s'est passée. Et bien sûr, boire de l'eau chaude à Yom Tov, qui a été cuite pendant Yom Tov, c'est bien sûr permis. Voilà l'action. Maintenant, il faut l'expliquer pourquoi ça se passe. L'eau qui se passe d'abord dans les Hametz Veria. C'est même si c'est une source d'eau naturelle, la Gemara elle conclut qu'il y a un interdit dans cela même de faire cuire Minatora. De faire cuire par l'eau de Tveria. D'accord? Mais, non, je ne suis pas sûr de la conclusion de l'Agma. Il y a une discussion dans l'Agma, en fait. Je crois que l'Agma, elle conclut que ça soit. Il y a, concrètement, quoi qu'il arrive, on a parlé d'utiliser cette eau pour faire cuire pendant Shabbat, ni pour chauffer, comme ce qu'on est en train de l'apprendre. Pourquoi? L'Agma, elle explique, en fait, que, alors là, ça nous fait rentrer dans l'interdit de Hatmana Bedabar Amusif Hevel. Enfouir un aliment, même cuit, dans quelque chose qui va lui augmenter sa chaleur. On aura l'occasion de plus détailler l'interdit de Hatmana. Il y a deux formes d'interdit de Hatmana. Hatmana, c'est enfouir un aliment. On l'a déjà évoqué un petit peu, on découvrira encore bien mieux dans le prochain chapitre. Mais là, on en a besoin pour expliquer cette Mishnah, et ce début de la Mishnah et même la suite de la Mishnah. On différencie deux sortes de Hatmana, enfouir un aliment pour maintenir sa chaleur. Il y a Hatmana Bedavarche Enomosif Evel, l'enfouir, l'envelopper dans quelque chose qui va pas lui ajouter de la chaleur, juste maintenir. Là, c'est permis de le faire avant Shabbat, pas pendant Shabbat. D'accord? On a déjà dit, si on a l'électricité qui saute pendant Shabbat, on a envie de garder un plat chaud, on n'a pas le droit de le prendre et de l'envelopper avec des serviettes pour lui maintenir sa chaleur pendant Shabbat. On a le droit avant Shabbat de le mettre dans les serviettes, mais pas pendant Shabbat, premièrement. Maintenant, enfouir dans quelque chose qui va augmenter la chaleur, en l'occurrence, sur le cas classique, c'est des braises un peu éteintes comme ça, mais qui sont encore bien chaudes, tu veux enfouir ta casserole, tu n'as pas le droit de le faire pendant Shabbat. Alors, on a le droit peut-être de poser sur le feu, il n'y a pas d'interdit de Hatmana, mais enfouir, ça devient interdit. Ça, c'est l'élément de base. De ce fait, maintenant, on revient sur notre Mishnah. L'interdit par rapport à Shabbat, l'interdit par rapport à Shabbat, c'est un interdit de Hatmana, au moins. C'est-à-dire, ton tuyau maintenant, tu as fait que maintenant, toute ton eau qui était dedans, elle était
entièrement enveloppé dans quelque chose qui lui augmente sa chaleur, il y a en cela un interdit Midrabanan, donc Chachamim a un interdit de la boire. Comme ça, c'est interprété. Voilà pour la première partie de la Mishnah, donc on est confronté avec un interdit de Hatmana. Maintenant, deuxième partie de la Mishnah, on parle d'autre chose. On parle d'un système d'eau qu'on va utiliser dans des ustensiles qui vont lui maintenir la chaleur. Il y a deux cas de figure. Il y a Mouliar et Antichei. Mouliar, il s'agit en fait, quoi qu'il arrive, on parle d'une sorte de grosse marmite, où il y a dedans un récipient, où dedans il y a des braises chaudes, initialement. On va retirer les braises pendant Shabbat, et la question est de savoir, est-ce que je peux maintenant, je peux laisser de l'eau dedans pendant Shabbat pour l'utiliser, ou c'est quand même interdit. Il y a deux cas de figure. Il y a un cas de figure où en fait, c'est une marmite à l'intérieur d'une autre marmite. Dans la marmite interne, il y a dedans l'eau chaude. Extérieur, maintenant, il y a la deuxième paroi, il y a un espace, et dedans, on a l'habitude de mettre du charbon, du combustible, de manière à ce que ça garde toute cette marmite chaude. Ça s'appelle un mouliard. D'accord? Et alors, ça, c'est le mouliard. Et il y a un autre cas de figure, où en fait, c'était une marmite avec deux compartiments, un inférieur et un supérieur. Dans la partie inférieure, on mettait dedans des braises bouillantes. Et dans la partie supérieure, on mettait l'eau chaude. D'accord? Donc deux cas de figure. Un, soit il y a l'eau dedans et les braises autour, soit l'eau au-dessus et les braises en dessous. Il s'avère que, et ça s'appelle le deuxième, il s'appelle Antichei. Alors dans le moulia, il s'avère que maintenant, il y a une différence essentielle entre la chaleur des deux. Antichei, il est bien plus chaud que le mouliard. Mouliard, même s'il y a des braises comme ça tout autour, mais étant donné que les braises, elles sont en contact avec la paroi de leur paroi et l'extérieur, eh bien, elles ont tendance à se refroidir assez rapidement. Plus rapidement que le antichi, où en fait il y a l'eau chaude qui écrase, il n'y a presque pas de contact, il n'y a presque pas de surface d'échange avec l'extérieur, en fait. Parce que l'ustensile vous le posez sur la table, donc il chauffe en dessous, il est protégé, il n'y a pas de vent qui le tape dessus, si ce n'est le fait sur les côtés, mais c'est assez minime par rapport à tout le compartiment où il y a dedans les braises. D'accord? Il s'avère que le antichi, il garde bien plus de chaleur. Et c'est là le point essentiel. Le mouliard, puisqu'il est, il est bien chaud, c'est vrai, mais on peut, lorsqu'on va lui retirer les braises, eh bien on aura le droit de laisser l'eau dedans pendant Shabbat. Il n'y aura pas de problème de hatmana. Par contre, antichei, même lorsqu'on va retirer les braises, il est tellement chaud que il est tellement chaud qu'on n'aura pas le droit de laisser l'eau dedans pendant Shabbat. On transgressera l'interdit de hatmana, mais d'avoir mosif hevel. On explique un petit peu mieux. D'accord? D'abord, je traduis le mot, comme ça on s'acquitte des mots. Mouliar agarouf. Le mouliar, le fameux ustensile où il y a l'eau chaude à l'intérieur avec les braises autour. Agarouf, quand on a été goref, comme on avait vu, garouf, gourouf avec touma. Donc tu l'as retiré les braises. Eh bien, shotin et mena be shabbat. Tu auras le droit de boire de cette eau pendant shabbat. Même si maintenant, une fois que tu as retiré les braises, l'ustensile reste bien chaud, ça conserve l'eau. Ça conserve la chaleur assez longtemps pendant Shabbat. Malgré tout, c'est permis de boire pendant Shabbat parce qu'il est maintenant en garouf. Il n'y a plus de problème de shema yechate, comme ce qu'on avait appris. Il n'y a plus de risque que tu vas attisser puisqu'il n'y a plus de braise. Par contre, antichei, le antichei, cet ustensile-là, où il y a le compartiment en dessous, où il y a les braises, eh bien, afalpiche grofa, même si tu as retiré toutes les braises, enchotin me mena be Shabbat, enchotin me mena, tu ne pourras pas boire de son eau pendant Shabbat parce que la grammaire explique en fait, c'est un ustensile qui est en général en cuivre, qui maintient pendant longtemps la chaleur, et qui fait que même lorsque tu vas retirer les braises, le fer, le métal, quoi, enfin si tu l'as fait en cuivre par exemple, il est tellement chaud naturellement, que maintenant c'est lui, il est considéré un peu comme une braise, il est lui-même considéré comme une braise qui va lui rajouter de la chaleur. Il est comme si qu'il était mosif, Hevel. Il va lui rajouter de la chaleur. Et dans ce cas-là, on transgressera l'interdit de Hatmana de nouveau, le fameux interdit qu'on aura l'occasion de découvrir encore plus longuement. Pour le moment, c'est bien que ces Mishnayot nous permettent de tourner autour du pot sans tomber dedans. D'accord? C'est un sujet très complexe, l'Hatmana. Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui est assourd? Qu'est-ce qui est permis? Et pour le moment, on a découvert encore un nouveau cas. Donc, comme on a dit, l'eau de Tveria, où c'est enveloppé entièrement, mais aussi cet ustensile qui est tellement chaud qu'il y aura un interdit de Hatmana en lui. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov.